On avait identifié pas mal de choses. On a beaucoup travaillé depuis la reprise. Même si on n'a pas eu beaucoup de temps entre Sochaux et le match de ce soir, on a beaucoup travaillé, que ce soit à l'entraînement, en images et ce matin encore en images. On savait les possibilités qui pouvaient se présenter. Il fallait jouer les coups, bien jouer les coups. Il fallait surtout être très discipliné sur un plan tactique. Il fallait être très, très bon sur un plan défensif, notamment dans le domaine aérien, dans la capacité à gagner le deuxième ballon. Et voilà, ça s'est bien passé pour nous. On marque de beaux buts. On a des situations. Alors évidemment que le terme chirurgical est à la fois approprié, mais sur le nombre de situations favorables, c'est pas mal. Voilà, je suis très satisfait du comportement de l'équipe. Un peu en colère de finir à 10. Non pas que le carton rouge ne soit pas justifié, mais on a le match en main, 2-0. On ne sort pas le ballon comme on doit le sortir, ça crée un incident, on est à 10. Un peu agacé de prendre ce troisième but, ce but. Remis de la fin, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il dit? Je dis simplement que quelquefois pour un ou deux buts encaissés, vous perdez des places au classement, et les places et la bataille, ça sera cher. Et que quand on a le bonheur de mener 3-0, même à 10 contre 11, on ne peut pas prendre ce troisième but. Ce but-là, et que chez des joueurs très réceptifs, très à l'écoute, qui prennent plaisir à jouer ensemble, qui travaillent beaucoup, mais aussi on doit, sur les détails, être plus efficace et gagner plus rapidement aussi en maturité et en expérience. Un nombre de situations favorables, c'est pas mal, voilà, je suis très satisfait du comportement de l'équipe, un peu en colère de finir à 10. Non pas que le carton rouge ne soit pas justifié, mais on a le match en main, 2-0. On ne sort pas le ballon comme on doit le sortir, ça crée un incident, on est à 10. Un peu agacé de prendre ce troisième but, ce but. Remis de la fin, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il dit? Je dis simplement que quelquefois pour un ou deux buts encaissés, vous perdez des places au classement, et les places et la bataille, ça sera cher. Et que quand on a le bonheur de mener 3-0, même à 10 contre 11, on ne peut pas prendre ce troisième but, ce but-là. Et que chez des joueurs très réceptifs, très à l'écoute, qui prennent plaisir à jouer ensemble, qui travaillent beaucoup, mais aussi on doit, sur les détails, être plus efficace et gagner plus rapidement aussi en maturité et en expérience. Non, c'est pas le manque d'expérience, c'est qu'il y a quand même un adversaire qui réagit et que il faut respecter quand même l'adversaire qui a réagi en deuxième période. Mais même en deuxième période, on a des situations pour mener 3-0 plus tôt, et qu'en face, les joueurs ne vous laissent pas jouer, que ça a poussé, il y a eu un peu plus de jeu direct encore de la part de Caen. Ils sont passés avec deux valeurs athlétiques dans l'axe, donc automatiquement il y a une réaction. Mais je dis simplement que voilà, notre jeunesse, qui est talentueuse, doit retenir ce genre de leçon-là, parce que c'est pas dramatique, parce qu'on l'emporte, mais que le goal à verrage aura peut-être son importance à un certain moment.